Alors, dernier élément de ce dossier, le président de la République, vous venez de l'entendre, ayant lui-même déclaré en Suisse que cette situation était intolérable, que compte faire le gouvernement français? C'est la question que nous avons posée ce matin à Monsieur Max Gallo, porte-parole du gouvernement, que nous allons entendre interroger donc ce matin. Monsieur Gallo. Le problème ne peut pas être réglé uniquement au plan national. Et c'est pourquoi le 16 juin de cette année, à la réunion qui se tiendra à Luxembourg des ministres de l'environnement de la Communauté européenne, la France est décidée à ouvrir ce dossier qui est ouvert pratiquement par cette affaire, et notamment à proposer ce qui est déjà sa réglementation, à ce que les producteurs, ici Hoffmann-Laroche, soient responsables des déchets des produits qu'ils fabriquent et ne se dissimulent pas derrière une chaîne plus ou moins obscure et toujours discrète de sous-traitants. Je crois que c'est cela qui est en question avec cette affaire. On ne sait toujours pas où sont les déchets. C'est vrai, mais là, écoutez, on se heurte au refus de M. Paringaud. Je crois que la justice est saisie et le dossier est entre ses mains. Est-ce que vous avez des éléments qui sont dans ce dossier? Des éléments, ben, oui, nous savons que les fûts ont circulé en France, qu'ils sont arrivés jusqu'à Saint-Quentin, qu'ils ont été dédouanés là. Et à partir de là, le ministère de l'Environnement a agi immédiatement et je dois dire que la presse aussi a fait son travail et que c'est en somme le résultat d'une collaboration heureuse entre l'opinion publique et d'autre part le gouvernement. Collaboration heureuse qui pour le moment ne débouche sur rien. Écoutez, on ne peut pas résoudre miraculeusement un problème. Ce que je veux marquer de manière très précise, c'est que dans cette affaire, il y a deux éléments. Trois, je dirais. D'abord, un élément de fond, c'est que le problème doit être réglé à l'échelon européen. Et nous le ferons le 16 juin. Deuxièmement, que le gouvernement français a agi de manière énergique et rapide. Et troisièmement, que, je peux le dire très calmement, le gouvernement français a agi d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus énergique que les autres gouvernements européens.